ma vie ne sera plus jamais la même. Pas parce que j'ai de l'argent, ou encore parce que je suis connecté à des hommes exceptionnels, mais parce que Christ est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit, plus jamais ma vie sera la même. Même si je suis orphelin, même si j'ai perdu tout le monde, Jésus est ma réponse, papa. Même si j'ai tout perdu, plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse, papa. Même si j'ai perdu un mari, même si j'ai perdu une femme, même si j'ai perdu mes parents, papa et maman, un Dieu qui s'appelle Jésus de Nazareth. Adonai, il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai un Dieu puissant, un Dieu redoutable qui ne recule pas face au combat. Il est l'agneau, il est le puissant de Jacob. Il est celui qui transforme les situations. Il est celui qui bouleverse les événements. Il guérit les malades. Il fait disparaître les maladies incurables. J'ai un Dieu qui n'a pas de pareil. Celui qui marche sur le sommet des montagnes. C'est celui qui est redoutable pour l'éternité. L'amour de toute une vie. L'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Celui qui calme le vent violent. Jésus, Zambaba Boutou Nanayo, yo yo yo.
milima basa koli. Nzamba milima basa koli. Ton ancien m'échange. D'être chéri, élevé soit ton nom, Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Tu vas prier pour la parole de ce soir, que l'Esprit de vérité nous parle, que nous ramène vers ce qui est juste. Nous prions. Seigneur incomparable, merci pour ta parole, que cette parole, Seigneur, ranime en nous l'amour, Père éternel, que nous devrions avoir pour toi. Que cette parole, Père, ôte le mal qui persiste. Que cette parole nous change. Que cette parole, Seigneur, nous ramène vers ce qui est juste, ce qui est pur. Saint-Esprit, merci Seigneur pour cette parole qui touche la vie de mon frère, qui touche la vie de ma sœur. Par ta grâce, tu te manifestes, Seigneur, et tu renouvelles, Saint-Esprit, cet amour. Tu renouvelles, Saint-Esprit, ce zèle. Tu renouvelles, Saint-Esprit, un désir profond de voir ta gloire se manifester dans nos vies selon ta volonté. Merci, Père, d'éloigner le mal. Merci, Saint-Esprit, d'éloigner tout esprit de distraction. Merci de nous garder, Seigneur, dans la chaleur de la vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Si tu vas le faire, tu le fais. Si tu ne vas pas le faire, tu ne le fais pas. Mais si tu dois faire des choses pour Dieu, tu le fais bien. Gloire au Saint-Esprit. Que l'agneau de Dieu soit béni. Tu peux t'asseoir sous l'onction. L'Éternel est avec toi. Qu'une grâce abondante soit sur ta vie.
Que la faveur de Dieu ne te quitte pas. Nous sommes en train de parler des erreurs des élus. Que Jésus nous aide à ne pas commettre ce type d'erreur. Que Jésus nous aide aussi à corriger ces erreurs qu'on a commises dans le passé. Aujourd'hui, nous sommes à la sixième erreur. La sixième erreur des élus. L'onction pour le loisir plutôt que pour guérir. L'onction pour le loisir plutôt que pour guérir. Nous parlons de l'onction comme étant les capacités que nous accorde le Saint-Esprit au travers de sa puissance. Comme le dit Actes 1:8. Actes 1:8. Nous allons lire ce que la parole dit. C'est qu'on puisse dans la parole, en tout cas les vérités que l'on puisse dans la parole, sont des absolus. Voilà pourquoi il faut toujours rentrer vers la parole pour ne pas prêcher ici nos traditions, nos pensées, nos dogmes, mais prêcher la parole. Acte 1:8. La parole de Dieu dit ceci. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis d'accord avec toi. Je veux relire pour donner l'opportunité à ton frère de dire Amen parce qu'il était distrait. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Que l'Éternel te bénisse. La parole de Dieu parle d'une puissance reçue. Lorsque le Saint-Esprit vient, il y a une puissance que nous recevons. Lui, la personne du Saint-Esprit, nous permet de recevoir cette puissance que nous appelons onction et que nous allons appeler aussi onction dans ses enseignements. La puissance du Saint-Esprit nous permet d'opérer au-delà du temps, au-delà des limites du temps, nous permet d'opérer au-delà des limites de l'espace. Voilà pourquoi par la puissance du Saint-Esprit, on peut déclarer qu'une personne malade sorte de l'hôpital, cette personne n'est pas ici, mais à des kilomètres, elle reçoit la puissance et elle sort de l'hôpital. L'onction de Dieu nous permet d'opérer au-delà du temps, c'est-à-dire une personne ligotée par les démons, liée par les esprits impurs, emprisonnée par les pactes contractés il y a 50 ans, il y a 100 ans passés, mais nous déclarons par la puissance du nom de Jésus, l'onction brise le joug, alors que la personne a été ligotée depuis des années par ses ancêtres, mais le pouvoir de l'onction va au-delà du temps. Et donc, par l'onction, nous avons cette capacité surnaturelle d'opérer dans le surnaturel. Que quelqu'un me dise le surnaturel. Par la puissance de l'onction, nous arrivons à démontrer au monde l'infinie puissance, grandeur du Christ par l'onction. Le verset que nous venons de lire dans Actes explique aussi pourquoi nous recevons d'abord l'onction. C'est tellement clairement dit que je ne sais pas pourquoi des fois on s'embrouille. Nous les élus, nous nous embrouillons. Parce que l'onction n'est pas pour les païens. L'onction c'est pour les élus. C'est lorsque quelqu'un quitte de l'état de païen vers l'état d'un élu, d'un fils de Dieu, il reçoit automatiquement le Saint-Esprit et la puissance en même temps. Ce verset s'explique. Le verset 8 que nous venons de lire dit que le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. L'onction est reçue pour être des témoins. C'est pour ça qu'on reçoit l'onction. Que quelqu'un me dise témoin. Nous recevons l'onction pour être des témoins. Avant de témoigner, il faut être un témoignage. Avant
de dire ce que l'on a vécu, il faut d'abord dire ce que vous êtes devenu. Aujourd'hui, les élus, nous sommes allés trop loin. Nous voulons dire ce que l'onction a fait, raconter au monde les témoignages vécus, sans présenter au monde ce que l'onction a fait. La Bible ne dit pas que vous recevrez cette puissance, vous recevrez le Saint-Esprit pour témoigner, mais c'est d'abord pour être des témoins. Celui qui est un témoin, c'est celui qui a d'abord vécu quelque chose dans sa propre vie, à l'intérieur de lui. Celui qui est un témoin, c'est celui qui a assisté à certaines choses. Mais ces choses n'ont pas seulement impacté son extérieur. Ces choses ont d'abord impacté son intérieur. J'espère que quelqu'un d'intelligent écrit. Avant de témoigner au micro, témoigner sur les réseaux, témoigner par votre langue, il faudrait d'abord que votre vie soit un témoignage. Si votre vie n'est pas un témoignage, ce que vous dites par votre langue n'est que mensonge. Celui qui veut parler d'un Christ qui a fait des choses dans sa vie, sans présenter un Christ qui l'a transformé, est un menteur. Non seulement tu es un menteur, mais tu es aussi un punching ball pour le diable. Acte 19, 15 à 16. Acte 19, 15 à 16. La Bible dit ceci. L'esprit malin, lui, l'esprit malin leur répondit. Je connais Jésus et je sais qui est Paul. Je connais Jésus. Connaître. Et je sais qui est Paul. Savoir, connaître et savoir. Je connais qui est Jésus. Et je sais qui est Paul. Il connaît, les démons connaissent Jésus. C'est-à-dire, ils connaissent que celui-là, c'est celui qui s'est mauvais sur les eaux. C'est celui du commencement. Ils connaissent. Ils savent qui est Paul. Parce qu'ils ont vu le parcours de Paul. S'il y a des êtres que tu ne peux pas mentir, ce sont les anges et les démons. Ils t'ont vu naître et ils ont vu ton parcours. Et ils voient ton parcours. Ils disent, je sais qui est Paul. C'est-à-dire, je l'ai vu être païen, je l'ai vu rencontrer Dieu, et je l'ai vu être transformé. Et les démons continuent en disant, mais vous, qui êtes-vous? C'est le genre de question que les démons posent aussi à certaines personnes ici. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue et blessée. La parole montre clairement que les démons savent qui vous êtes. Tu peux me mentir moi, mais tu ne peux pas mentir les démons. Comme je le disais tout à l'heure, je veux le répéter parce que quelqu'un dormait. Les démons t'ont vu naître. Ils t'ont vu marcher à quatre pattes. Ils t'ont vu commencer à marcher à deux pieds. Ils t'ont vu quitter du lait vers la nourriture solide. Ils te voient dans le secret quand il n'y a aucun membre de l'église. Ils te voient quand tu te masturbes parce qu'ils t'aident même à te masturber. Donc, au fait, s'il y a des êtres que tu ne peux pas mentir, il n'y a pas que Dieu. Les élus pensent qu'il n'y a que Dieu. Il y a aussi les démons. Tu ne peux pas les mentir. Ils savent très bien qui tu es.
Ils n'ont pas mâché les mots, ils ont dit, on sait qui est Paul, on sait savoir, on sait qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Et quand ils disent qui êtes-vous, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas l'adresse de ces personnes. C'est pour dire que dans les répertoires des hommes qui doivent nous parler avec autorité, vous n'êtes pas là. Vous mentez les gens à l'église, mais nous, vous ne pouvez pas nous mentir. Vous, vous êtes nulle part. Vous parlez en langue devant les gens, mais devant nous, vous ne pouvez pas donner des ordres parce que vous n'avez pas le pouvoir. Lorsqu'on cherche à parler d'un Jésus qui ne vous a pas transformé à l'intérieur, vous êtes un plaisantin, vous êtes un menteur. Vous présentez celui que vous ne connaissez pas. Vous présentez celui qui n'a pas commencé par vous toucher d'abord vous. Un vrai témoin, c'est d'abord celui qui est touché, lui, et ensuite il dit ce qui lui est arrivé. Que Jésus ait pitié. On dit que les fils de Séva sont sortis de là nus parce que les démons les ont battus, maltraités, nus et blessés. Voilà pourquoi la plupart d'entre nous, nous avons des foyers blessés. Nous avons l'éducation des enfants blessés. Nous échouons dans l'éducation de nos enfants. Nous échouons dans la vie de famille. Nous échouons comme pour être un bon père ou une bonne mère. Nous échouons dans le domaine financier. Nous sommes des grands échecs. Alors que nous disons que nous sommes élus, l'or et l'argent appartient à Dieu. C'est resté un slogan, nous sommes des grands échecs. Financièrement, on n'est nulle part. Mais pourquoi nous sommes blessés de cette manière dans ces domaines de la vie? C'est la même chose avec les fils de Séva. Nous sommes blessés parce que les démons peuvent entrer et toucher. Pourquoi ils peuvent entrer et toucher? Parce que nous témoignons d'un Jésus qui ne nous a pas transformés à l'intérieur. Nous n'avons pas l'onction qui nous touche de l'intérieur. Nous voulons une onction pour présenter aux hommes et pour épater les hommes. Nous parlons d'un Jésus qui ne nous a pas changé. Lorsque tu parles d'un Jésus qui ne t'a pas changé, les démons vont s'inviter. Parce que non seulement tu es nulle part, mais tu oses aussi parler d'un être que eux détestent. Ils viendront te combattre. Comme les fils de Séva, ils vont te laisser nu et ils vont te blesser. C'est très bizarre de voir un enfant de Dieu qui, dans un domaine quelconque, il est totalement dans l'échec. C'est très bizarre. C'est une vie blessée, ça. On t'a blessé comme les fils de Séva. Un enfant de Dieu ne peut pas être excellent en tout, mais un enfant de Dieu ne peut pas être médiocre quelque part. Je reprends ça pour celui qui était distrait. Un enfant de Dieu ne peut pas être excellent en tout, mais il ne peut pas être médiocre dans un domaine quelconque. Là où tu n'es pas excellent, tu dois être bon. Tu ne peux pas être médiocre. Pourquoi toi, il y a un domaine de ta vie qui est médiocre? Tu es blessé par les démons. Parce qu'un fils de Dieu, compte tenu ta position, il y a des médiocrités que toi, tu ne dois pas vivre. Mais tu vois, on t'a blessé par les esprits impurs. Parce que tu veux prêcher un Jésus, mais qui ne t'a pas changé de l'intérieur. Tu veux témoigner seulement d'un Jésus qui donne le pain, témoigner d'un Jésus qui t'a guéri de la malaria ou je ne sais pas de quoi, mais tu n'es pas changé de l'intérieur. L'onction ne te touche pas. Tu n'es pas un vrai témoin. Or, on a reçu la puissance pour être des témoins. Dans Actes 1:8, il y a quelque chose d'intéressant encore, comme dans toute la Bible d'ailleurs. Le verset dit ceci. Soyez mes témoins, premièrement, en Jérusalem. En Jérusalem. C'est-à-dire, soyez mes témoins chez vous. Jérusalem représente votre maison, le lieu de votre habitation, votre lieu restreint. Avant d'aller témoigner Jésus dehors, que dans ta famille, on reconnaisse qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et tu n'as pas besoin de parler à ton frère, dire à ton frère, je suis converti. Tu n'as pas besoin. Il est ton frère, il sait voir si quelque chose a changé dans ta vie. Il sait voir si ton caractère a changé. Il sait voir si tu as réellement été impacté par une puissance. Que quelqu'un me dise une puissance.
Que ça commence d'abord en Jérusalem. On dit que ça commence d'abord chez toi. Mon frère, avant que tu viennes me dire ici que tu es prophète, que d'abord ton père reconnaisse que tu es devenu enfant de Dieu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Avant que tu viennes chercher des gros titres ici, que ta mère d'abord reconnaisse que c'est vrai, ma fille ici a rencontré Dieu. Que ta mère le témoigne. Avant que tu viennes chercher à être élevé ici, que d'abord ton mari reconnaisse que tu es une véritable femme de Dieu, une véritable chrétienne et qui se soumet à son mari. Qu'il le dise d'abord. Ça doit d'abord commencer en Jérusalem. On n'a pas reçu l'onction pour faire tomber les gens. On a reçu l'onction pour témoigner. Lorsque pour toi l'onction devient un sujet de loisir, loisir par sa deuxième définition parle de la distraction. Le loisir, c'est la distraction, selon la deuxième définition. Si pour toi l'onction devient un sujet de distraction, tu es perdu. Et les élus, nous sommes dedans. Il faudrait vraiment qu'on sorte de là. J'ai besoin d'un amen. Ne fais pas l'hypocrite, tu n'es pas en dehors de ce que je dis. Donne-moi un amen. Il faudrait vraiment qu'en tant qu'élu, on comprenne aujourd'hui que c'est une erreur à abandonner directement, sans tarder. La Bible est claire et dit, vous recevrez la puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Mais il s'agit ici de témoigner. Il ne s'agit pas ici d'impressionner les gens. Il ne s'agit pas de démontrer aux gens que c'est toi qui sais faire tomber. Et les gens que tu fais tomber là, ça devient comme une séance de chute. Dès qu'ils sortent d'ici, ils continuent avec leurs amants, ils continuent avec leurs maîtresses, ils continuent avec la masturbation, les mêmes personnes qui sont tombées. L'onction ne devrait pas être un sujet de loisir. Pour montrer aux hommes que moi, quand je prie pour les gens vivent le miracle. Ce n'est pas pour ça d'abord l'onction. C'est pour être un témoin. Et être un témoin, c'est d'abord être influencé, être impacté par une puissance soi-même. Jérusalem doit être impactée. Voilà pourquoi si toi tu viens ici, tu dis que tu es un bon frère, tu joues aux instruments parce que tu aimes Dieu et que tu es un très bon frère. Mais si ton père ne reconnaît pas que tu es enfant de Dieu, tu es un menteur. Ça commence à Jérusalem. Si ta femme ne peut pas dire que toi tu es vraiment un homme de Dieu, un enfant de Dieu, tu es vraiment un enfant de Dieu, que même quand vous avez des disputes, tu sais comment parler à ta femme, que tu n'es pas blessant, tu n'es pas injurieux. Si ta femme peut le dire, alors c'est que tu es un enfant de Dieu. Si ta femme ne peut pas le dire, il ne faut pas nous mentir ici. Si ton mari ne peut pas le dire, il ne faut pas venir nous mentir ici. Il ne faut pas venir prendre le micro pour nous dire des choses que tu ne vis pas. Tout commence d'abord à Jérusalem. Jésus a dit, restez d'abord, commencez à Jérusalem. Vous deviendrez mes témoins en Jérusalem. Ne vous précipitez pas de courir. Il y a des gens ici, nous ne pouvons jamais évangéliser dans nos quartiers. Pourquoi? On nous connaît. Dès qu'on va te voir toquer à une porte pour parler de Jésus, même ces hommes qui vont te voir vont te dire, toi aussi tu viens nous parler de Jésus, frère Les. On se connaît. Dans ton quartier, tu ne peux pas parler de Jésus. Tu ne parles que de Jésus.